Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau jeu rétro. Il s'agit de Fish Dude, sorti en 1991 sur Game Boy Classic. Un jeu où on contrôle un petit poisson, ma foi très mignon. Non, c'était pas Nemo dans. Comment dire Nemo. Ou dans l'autre but, c'est d'essayer d'éviter de ne pas se faire bouffer par des gros poissons. Ah bah voilà, quand je vous dis qu'il ne faut pas se faire bouffer par des gros poissons, bah c'est pas pour rien. Là, par exemple, là je viens me faire bouffer par un poisson de merde. Bon, par contre, les petits, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas méchants, ils vous boufferont pas. Ah oui, et évidemment, quand c'est pas les gros poissons qui veulent vous bouffer, c'est les mouettes. Putain, mais... Mais dans ce jeu, on se fait sans arrêt, mais bolosser, c'est... C'est pénible, franchement c'est pénible, hein. Et si j'avais su, j'aurais peut-être pas dû de faire un test sur ce jeu, mais étant donné que j'avais que ça sous la main, je me suis dit tiens, pourquoi pas celui-là. Bon d'accord, d'accord, il n'est pas parfait. Ouais, attention, parce que là il y a encore ce putain de... Mais merde, putain. Oh, et puis putain, je me suis coincé, j'ai même pas eu le temps de me déplacer. Oui, une chose qui est vraiment chiant dans ce jeu, mais assez-vous à quel point il y a certains obstacles qui peuvent vous gêner. Et ça, c'est hyper casse-couille. Ah oui, et il est sorti en 1991 et édité par Softail. Je sais pas du tout quel genre de studio c'est, mais bon, qu'importe. Bon, on va essayer de tenter une nouvelle fois, espérant que j'aurai plus de chance. Alors, je vous rappelle, vous contrez ce poisson-là qui est là, qui... Et voilà, comme par hasard, qui vient de se faire bouffer. Ah oui, alors, les seuls ennemis qui vont bouffer sont les gros poissons et les mouettes. Voilà. Et c'est tout. Non mais ça y est, ça sans déconner. Ce jeu a beau être mignon tout plein, il est dur. Hein. Franchement, il est dur. Allez, on continue. Ah oui, attention, parce que comme je vous dis, on peut être coincé. Ah non, 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 Attention, voyons. Merde, putain! Oh, voilà! Non, mais dans ce jeu, on se fait bolosser, mais c'est pénible, franchement, c'est pénible. Non, franchement, ce jeu n'est pas drôle. Ce jeu n'est pas amusant. Bon, on va essayer de voir si on peut y aller. De toute façon, j'essaierai de voir. Si j'y arrive pas, bah tant pis, c'est pas grave. J'aurais au moins réussi à tenter le coup. Oui, alors vous avez deux vies, hein. Vous n'aurez pas le droit à une troisième ni une quatrième. Non, 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 le jeu n'a pas ça. Oui, il y a une chose qui est vraiment, vraiment chiant dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de point de vie, il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas de... Putain, Bref, on n'a rien, on n'a rien. C'est ça qui est pénible dans ce jeu. Et pourtant, je sais pas pourquoi qu'on n'a pas un truc pour se défendre, mais non, on peut pas se défendre. Bref, hein, j'ai encore perdu. Alors, espérons bien sûr que j'aurai plus de chance d'ici, aux alentours du prochain... Du prochain... Enfin... Je vais voir si je peux tenter une autre chance, c'est ce que je voulais dire. Oui, mauvais, putain... Ouais, il y a une chose qui est chiant dans ce jeu, c'est que c'est fou à quel point... On n'a rien. On a rien. J'ai les scores. Je sais pas si quel genre de score on a. Je sais pas. Il a pas bougé depuis que je l'ai testé. Bon, espérons que je vais essayer de mieux me concentrer parce que là, j'avoue que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Mais sérieux, mais ce jeu n'est pas drôle. Il n'est pas amusant. Non, 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 non. Tu me fous la paix, toi, hein. Non, 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 non. Oh mais putain, et en plus, oh, mais il y a des gros poissons partout, mon putain. Sans déconner, c'est pas drôle. Sans déconner, c'est vraiment pas drôle, hein. Il faut vraiment faire gaffe à tout, les obstacles, les gros poissons, les mouettes. Après, ça va être quoi, les pêcheurs? Et voilà, comme par hasard, j'ai obtenu aucun score. Je sais pas comment on fait pour bouger ce score, je sais pas du comment il faut faire. Hein. Putain, je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. Franchement, il est bizarre ce jeu. Franchement, il est bizarre. Hein. Bon, allez, on va essayer de. Cette fois-ci, on se concentre. Voilà. Voilà, un gros poisson. Voilà.
Voilà, on évite le gros poisson. Voilà. Bon, apparemment il va vous laisser tomber et apparemment il va vous laisser tomber. Hein. Voilà, attendez, si on reste bien couché, bien caché. Oui. En plus, je sais même pas où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est dans un aquarium, dans une. Oh, plus, je sais pas où on est. Je sais qu'on est dans l'eau, mais je sais pas à quel endroit on se trouve. Est-ce que c'est dans un aquarium ou dans un océan ou dans un lac? Bref, je sais pas. Tout est bizarre dans ce jeu. Hein, ouais. Et là, je viens de me faire bouffer encore une fois par ce putain de gros poisson. Qui visiblement a l'air de bien me pourrir la vie. Oui, excusez-moi, apparemment ça prend du temps. Et le score qui ne bouge toujours pas. Mais putain, mais il faut faire quoi, sérieux? Faut rester plus longtemps sans se faire bouffer par les autres. Putain, vas-y, je me crève le cul pour essayer de pas crever. Voilà comment je vais. Voilà comment c'est. Hein. Bon, attendez, on va essayer de trouver. Attendez. Peut-être que si je reste ici. Bien tranquillement, il n'y aura pas de gros poissons. Enfin, par moments, les gros poissons viennent, mais des fois, ils viennent pas. Hein. Oh, il faut vraiment mais bien faire gaffe. Hein. Ben, là, je suis coincé. Voilà, attendez. Voilà. Non, non, non. Ah oh, non, encore. Oui, attention, attention, attention. Oui, reste pas là, reste pas là, reste pas là. Voilà, attendez. Oui, on fait faire gaffe. Oh, mais le problème, c'est que les gros poissons, ils nous tordent le cul. Oh, encore, il y en a encore un. Oh. Mais il faut bien faire gaffe, hein. Il faut bien faire gaffe, hein. Il faut pas faire n'importe quoi. Voilà, il y a encore un gros poisson. J'essaie de le minder. Hein. Mindy. Ah, super, il y en a encore un. Merde! Oh merde! Oh merde! Oh merde! Putain d'obstacle! Oh, imaginez! Oui, alors, je sais pas ce que c'est, ces espèces de trucs là, qui ressemblent à peu près à une sorte de hand spinner. Je sais pas si c'est. Comment ça s'appelle? Un corail? Ou un objet qui flotte, je sais pas, mais en tout cas ils sont bien bien chiants ceux-là, hein, parce que apparemment ils nous bloquent, et c'est ce qui nous ralentit. Hein. Bref, c'est ce jeu, comme je viens de vous dire, il n'est pas drôle. Franchement, il n'est pas drôle. Hein. Oh, putain. Ok, je sens que je vais en chier, je sens que je vais en chier encore, encore et encore. Mais bon. Ok, c'est décidé, je ne ferai pas de test sur ce jeu. Non, 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 ne rêvez surtout pas. Non, parce que c'est pour me faire ridiculiser en me faisant bouffer et crever comme un caca, c'est pas la peine. Bon, bien évidemment, je ne vous propose pas de tester ce jeu. Bon, alors, revoilà notre petit poisson qui visiblement elle a de passer une mauvaise journée, putain, mais. Oh, mais connard Mais c'est de la triche! Franchement, c'est de la triche! Ouais, je sais pas si c'est de la triche ou si c'est fait exprès. Oui, parce que les gros poissons, ils peuvent passer dans certains endroits, mais ils peuvent pas, comment dirais-je, vous atteindre quand vous êtes dans des espaces trop étroits. Il faut vraiment bien faire gaffe à ne pas faire. À bien tout vérifier. Ouais, on va essayer, on va rester espérant que bien sûr que je progresse. Je vais essayer de mieux progresser parce que là j'avoue que j'ai pas donné le meilleur de moi-même. Faut dire que ce jeu est pas simple. Hein. Oh non, 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 ça suffit! Tam, j'en ai marre de me faire tarauder le cul par des gros poissons. Merde! Putain! Oh là là, putain de spinner de merde là! Bon, ok. J'essaie encore une ou deux tentatives et si j'y arrive pas. Et j'abandonne. Non mais sérieux, ce jeu il est pas drôle. En plus on a même pas de moyen de défense, c'est pas juste. Franchement c'est pas juste, c'est pas bien. Franchement c'est pas bien. Allez, dernière vie. Bon, espérons que. Bon là, cette fois-ci, c'est promis, juré, je me concentre. Là je vais rester bien vigilant, bien prudent. Ne pas faire le moindre erreur. Voilà. Bon, alors, oui, les petits poissons, ne vous inquiétez pas, ils.
Ok, mais attends, mais c'est avec comme ça à chaque fois que je nage, putain! Non mais c'est pas possible, ce jeu est maudit, hein! Bon, écoutez, vous savez quoi? J'ai pas envie, franchement, de refaire un autre test, étant donné que ce jeu est chiant. Hein. Non, non, j'ai vraiment pas envie de faire un autre test, étant donné qu'il est pas drôle. Voilà donc, les gens, c'était donc Fish Dude sur Game Boy Classic. Un jeu, mais vraiment pas marrant. Je ne vous conseille pas de le tester. Si, bon, si, mis à part ça, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut!